La nouvelle est tombée vendredi, Total Energy sort de gros actifs dans le renouvelable. C'est assez étonnant, hein donc principalement tout ce qui est éolien offshore et surtout aussi le solaire. Alors c'est vrai que l'éolien offshore c'était un peu leur, euh, leur actif euh, maître, on va dire, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Et là ça a été la grosse boulette de Pouyané parce qu'ils se sont trompés. On a vu que l'éolien a plus du tout bonne presse et on en parle de moins en moins et on voit bien les actifs qui sont en rapport avec l'éolien. Hein, je pense principalement à Voltalia, qui s'est complètement pété la gueule. Même Neoen hein, que j'ai en portefeuille fait absolument rien. Et beaucoup de sociétés des, des, dans les énergies renouvelables se sont énormément pétés la gueule depuis ces deux dernières années. Et c'est vrai que là, en tout cas, l'éolien les, les, euh, offshore, Total Energy, c'était vraiment leur futur. Et là, ils ont ils sont compris que ce n'était pas ça. Et du coup, ils se désengagent donc, de, donc, des actifs qui sont... Dans plein d'endroits du globe hein, donc aux états unis en Europe, euh, je sais plus où. Bref, et en fait ils font suite aussi, euh, Iberdrola fait pareil, il y a pas mal de sociétés énergétiques qui ont fait à peu près la même chose. Euh, donc ils commencent à comprendre que l'hydrogène, qu'il avait vraiment snobé un hein, à l'époque, hein, il disait non, j'en veux pas, et ben maintenant ils commencent à comprendre que c'est peut-être ça, l'énergie du futur. Et on voit qu'ils travaillent énormément avec Total Energy, euh, non, avec air liquide, pour essayer de mettre en place hein, une société commune dans euh, les euh, énergies renouvelables, qui est l'hydrogène, l'hydrogène vert bien sûr. Voilà donc... On verra bien résultat de Total Energy. C'est la semaine prochaine. Hein. Donc on verra surtout euh, bon, le, la hausse du dividende. Sans doute, hein, vous savez très bien qui vont l'augmenter. Mais euh, comment on va réagir le marché suite aux résultats hein, Déjà, euh, est-ce que, est, euh, est que ça va continuer à, à est-ce qu'on va repartir vers les 60 euros hein. ou est-ce qu'on va enfin descendre un peu pour ré récupérer les 50 euros qui serait sympathique pour commencer à rentrer dessus avec un dividende qui monterait ça ferait un rendement un peu plus intéressant parce que là le rendement actuel bon, on a un peu plus de 4% mais c'est pas dingo quoi hein. c'est pas dingo hein. euh, en tout cas on va voir je crois que c'est mercredi hein, les résultats de total energy donc euh, je vous les ferai hein, bien sûr on verra bien ce que ça va donner donc vous inquiétez pas hein. rachat d'action c'est sûr le dividende qui monte c'est sûr après le reste j'en sais rien le cours de bourse pff, Soit ça monte remonte à 60. Il hein. euh, y en a beaucoup qui parlent de 70 euros hein, pour 2024. À voir. Ou alors ça redescend à 50 euros Il est peut-être pour retourner à 70 après. Allez sur ce moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon train à tous. Ciao ciao.